Là, du coup, c'est catastrophique. Mon 1000 dollars, ok, c'est cool. Ceux qui disent, wow, on ne voit jamais tes pertes et tout, voilà, les gars, c'est en live. Régalez-vous, screenez. Le risque, il est bas, les gars, donc c'est pour ça que je m'en fous un peu. Je suis en 40 lots, mais je suis sur un Dow Jones, donc au pire, je perds 2-3 000 balles. Mais c'est rien par rapport à ce que je peux gagner quand je suis concentré, quand je fais des bons trades. Donc là, je vais juste sécuriser ces deux entrées pourries, là. Et mettre le stop loss ici après. Si ça va toucher mes entrées pourries, je mettrai mes stop loss là, hop, ici. Voilà, en dessous de ça. Nous, en fait, ce qu'on développe avec Johnny, ce qu'on développe sur les IA, d'accord? Parce que c'est pas une question de vouloir gagner de l'argent avec des IA, non. Sur du long terme, oui, on va en gagner. Là, il est 45, il y a une annonce, donc ok, ça a été validé, c'est cool, c'est cool, c'est cool. On a été TP. Maintenant, on va, voilà, on va pas prendre des risques parce que un stop loss ici, ça me ferait très chier. Donc, on va mettre un TP1. On va mettre un TP1 là et un TP2 par là. Voilà. On va voir comment on s'en sort, ok? Alors, il faut savoir que toute la gestion que je viens de faire, même avec les stop loss en bas, c'est des choses que je peux accepter psychologiquement. Donc, c'est des pertes que j'aurais pu encaisser sans aucun regret. Donc, c'est pour ça que je me permettais de rajouter de l'eau, de faire une gestion de moyen âge pour avoir un bon prix d'entrée, etc. Parce que si j'avais gardé mes entrées ici, que le marché revenait, ce n'était pas intéressant pour moi de rester. Parce que je n'avais aucune. Quelle a pas enlevé ce truc? Je n'avais aucune certitude que le marché allait revenir. Et dans tout le cas, je n'ai jamais de certitude. Je fais juste de la gestion et ça, c'est super important. Donc, c'est très bien. Bon, sur le Dow Jones, donc on est en train de gagner 1200. Donc, après le cauchemar, bah, les bons moments. Donc, on va fermer une position. OK. On va par même position. Comme ça nous fait un peu de sous sur le compte. Et on va gérer cette position. C'est-à-dire qu'on va mettre le stop loss à zéro. Et voilà. Donc, c'était un bon petit trade aussi qui a plutôt bien fonctionné sur la zone. Donc, là, vous avez vu en direct comment j'ai géré, on va dire, la zone en soi. C'est-à-dire qu'au début, je suis rentré en précipité, le marché était sur une ouverture, donc il est revenu vers le bas. Donc là, le stop loss, je l'ai mis à des endroits un peu stratégiques, okay? C'est-à-dire que je l'ai mis un peu plus bas que ça, sur ces zones-là, juste en dessous de cette zone-là, d'accord? Pourquoi? Parce que je me suis dit peut-être que le marché va venir frôler et repartir. Ah merde, j'ai pas fermé la bonne position, mais je suis vraiment. Bonne position s'est fermée. Je comprends pas pourquoi ma position s'est fermée par contre. Elle a touché le TP. Et bref. Donc j'ai mis le SL à un endroit très stratégique et en même temps j'ai moyenné par rapport à ce que moi je peux accepter comme perte psychologiquement sur le compte. Et puis j'ai géré petit à petit. C'est-à-dire que l'histoire de ce trade, ok, c'est une histoire unique, d'accord? C'est pour ça que la partie signal que vous avez, par exemple, sur hop, je ferme le serveur. Donc la partie signal que vous avez sur la formation ne peut pas être une simple vidéo comme vous la demandez vous, ok? C'est vraiment un travail sur du long terme. C'est pour ça que tous les mardis je me connecte, j'essaie de prendre des trades. Parfois je fais des gains, parfois je rattrape des pertes. Parfois, je fais des pertes, etc. Et comme ça, vous voyez en direct comment je gère par rapport à ma psycho et par rapport aussi à la méthode en soi, par rapport aux zones, par rapport à la situation du marché. Par exemple, là, on a eu ce qu'on appelle l'open. OK, c'est pas rien. OK, on a un open, donc c'est punchy, etc., etc. OK, super important ça. Donc ça, c'est la zone qu'on a vue tout à l'heure, qu'on a tradé tout à l'heure. OK, donc c'était l'open ici. On a tradé là. Et ça, c'est la zone que j'ai définie ce matin. Donc ici, bon, on voit que le marché, il est plutôt sur ce qu'on appelle des grosses consolidations et des zones de valeur. Okay? Donc moi, quand j'arrive le matin, donc je regarde en 30 minutes, 15 minutes, mais généralement, je regarde en 30 minutes. Okay? Par exemple, ici, là, je vois du gros mouvement, okay, qui a été tradé et je vois une grosse zone de volume. Okay? Ce n'est pas forcément ce que je regarde, les zones de volume, mais bon, là, il y était, je l'ai vu ce matin. Là, je vois une consolidation. Et donc moi, en fait, pour pouvoir trader cette zone de volume, donc, il me faut un level symbolique ou un level, on va dire, un level algorithmique. Okay? Et donc, ici, par exemple, on avait les 32 000 et
Par expérience, je sais que quand on est dans une zone de valeur comme ça, le déséquilibre, il va être à peu près par là. Okay? Donc 33%, 0,33%, etc. Et donc, vu que nous, notre stratégie, c'est d'attendre que le prix s'écarte de son mouvement, okay? C'est-à-dire tac, 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 il fait un truc comme ça. Donc, il fait la configuration clé, c'est-à-dire il fait une consolidation comme il a fait ici. Puis après, il ressort par le bas. Et au moment où le prix passe en dessous, okay, je sais que c'est par là qu'il faudra acheter ou vendre. Okay? C'est assez simple à mettre en place ce genre de système. Et là, bon, on avait l'open, donc il y avait de la volatilité, c'est monté assez rapidement.